Il y a des jours comme ça où ça va pas. Et je sais pas pourquoi. Mais ces jours-là, c'est pas facile. Et jusqu'à maintenant, c'est-à-dire 18h30, j'avais pas encore réussi à allumer la caméra et à vous faire la vidéo que vous allez voir là. J'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo-là à la base, mais le problème c'est que j'avais rien prévu. Et pourtant, j'ai une grande liste de vidéos parce que au début du mois d'octobre, quand je vous ai présenté mon projet, que je vous ai parlé de faire YouTuber et donc 31 vidéos, vous m'avez donné plein d'idées que je garde vraiment très précieusement. Le problème, c'est que je suis très perfectionniste et ça joue vraiment pas toujours à mon avantage. C'est-à-dire que je ne suis jamais satisfaite de ce que je produis et que je pourrais passer encore beaucoup plus de temps à perfectionner les choses si je me mettais pas des petites claques pour arrêter, pour publier les vidéos. Mais en plus, j'ai ces journées comme ça où je me dis bah, « Allez, fais ça » et ça vient pas. Ça vient pas, j'arrive pas à m'y mettre. Je sais pas si c'est le temps qui a changé soudainement, comme vous l'avez vu dans la vidéo d'hier, ou si c'est juste voilà, une baisse de morale passagère, mais c'est nul. Le truc, c'est que malgré toutes les idées que vous m'avez données, j'ai eu un peu de mal à bien m'organiser, parce que j'avais d'autres choses à faire sur le côté. Je rime. Et encore une rime. Du coup, pour ces quelques jours là qui viennent de passer, je cherchais des vidéos plutôt courtes à faire, par exemple des maquillages d'Halloween, mais ça n'a pas l'air d'être ce qui vous plaît le plus, ce qui est tout à votre honneur, hein. Je ne vous force pas à aimer ni Halloween, ni les make-up d'Halloween. Mais du coup, je me dis, que faire? En fait, je me remets beaucoup en question. Grande nouvelle. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une de ces journées où je me suis beaucoup posé la question de quelle vidéo faire, de quoi tu as envie de parler, comment le réaliser. Et le problème, entre guillemets, c'est que toutes les vidéos que je veux faire pour le moment sont des vidéos qui vont me prendre beaucoup de temps, que j'ai besoin de préparer un tout petit peu. Je peux pas juste allumer la caméra et parler comme je fais maintenant, un peu en mode freestyle. Tout ça encore à cause de mon besoin de perfection, entre guillemets. Et c'est vraiment un cercle vicieux en fait, parce que plus j'ai besoin de temps, plus le temps passe, plus je me dis mais il faut que t'avances, moins j'avance parce que je me prends trop la tête. Et en fait, ouais, j'ai ce blocage. Mais bon, rien de grave, hein. C'est un jour sans, c'est tout. Mais du coup, je me suis quand même dit que j'allais allumer ma caméra et justement faire une vidéo pas préparée, parce que je pense qu'on passe tous par ces jours-là. On n'a pas de motivation, ou on se dit que tout est bof et est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire ci ou de faire ça. Et malgré tout, j'ai beaucoup de mal à faire cette vidéo parce que j'ai beaucoup de mal à me dévoiler et j'aime pas trop avouer que ça ne va pas. Mais faut rebondir et je me suis lancé un défi, 31 jours de vidéo. J'y suis presque. Au moment où vous verrez cette vidéo, on sera le 27, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Et j'y suis presque. Et je suis tellement contente de tous vos retours. Vous êtes incroyables. Vous m'avez donné tant d'amour durant ces 26 premiers jours. Et déjà avant, mais je veux dire, durant ce challenge, je ne voulais pas abandonner. Et je me suis dit, après tout, il faut le dire aussi quand ça ne va pas. Moi qui suis en plus partisane du « le monde n'est pas parfait », notre vie n'est pas parfaite, ça sert à rien de toujours montrer la façade toute rose à paillettes. Faut rebondir. Demain est un autre jour. La phrase que j'adore, très très cucu la praline, c'est « Il y a des jours avec et des jours sans, mais les jours sans, il faut faire avec. » Mais c'est tellement vrai. Et voilà, en fait, tout ça pour dire ça, pour dire pas grand-chose, mais ben, encore une fois, je partage un petit bout de mon quotidien avec vous. Je sais que le monde ne s'arrêtera pas de tourner si je n'arrive pas au bout des 31 jours avec 31 vidéos. Et je sais que je me mets certainement une pression totalement inutile. Et j'essaye vraiment de le prendre avec légèreté parce que faire des vidéos, c'est un plaisir. Je n'ai aucune contrainte, je n'ai pas de contrat à respecter, si ce n'est celui que je signe avec moi-même. Mais je suis quelqu'un comme ça. Voilà, dans la vidéo d'hier, je vous ai un tout petit peu laisser entrevoir partie de moi qui est l'hypersensible. Et ça joue aussi dans mon humeur, au jour le jour, très très fort. Et bah, c'est quelque chose qu'on apprend, c'est une chose avec laquelle on apprend à vivre au jour le jour. Et puis bah, y a des jours où il faut se motiver. Et donc, pour conclure la vidéo, on va se motiver, parce qu'on n'est pas dans une pente descendante. Hein. La vie, c'est fait de haut et de bas.
Encore une phrase un peu bateau. Du coup, allez, je vais mettre un peu de musique. Mais c'est vrai que ça fait du bien d'écouter de la musique en fait. Et c'est marrant parce que, je vais conclure la vidéo comme ça, c'était même pas un moment de déprime aujourd'hui, c'était vraiment un coup de mou. Un jour où vous avez pas la force. Bah ça s'explique pas je suppose. Ou peut-être que si, mais j'ai pas les clés pour expliquer. Mais en tout cas, bah j'espère que... Je sais pas si je dois vous demander si cette vidéo vous a plu, parce que j'ai pas trop envie que l'ambiance un peu maussade se répande chez vous. Mais j'espère tout de même que vous aurez apprécié ce petit moment de partage, parce que ben, dans le fond ça me tient à cœur de montrer que tout n'est pas toujours tout rose. Voilà, je compte bien vous retrouver demain en plus grande forme et avec plus d'énergie qu'aujourd'hui. Et ben, je vous fais de gros bisous et à demain mes petites biches. Le meilleur antidépresseur du monde. Ah oui, bonjour. Je crois qu'on t'a pas bien entendu. Ah oui, d'accord. C'est un chat qui couine. Elle est où ta tête? Elle est là? Je peux te montrer aux petites biches? Non, tu fais un peu d'ASMR?